Qu'est-ce que j'attends des Jeux de Paris 2024? Moi, les Jeux de Paris 2024, je fais d'abord confiance aux athlètes français pour allumer des étoiles dans les yeux de nos gamins. Les Jeux de Paris 2024 reposent sur la réussite de nos athlètes français. La ferveur populaire, l'engouement des Jeux ne démarrera que si les résultats arrivent dès le premier jour. Ils ont une responsabilité énorme, nos athlètes, parce que c'est à eux que dépend la réussite des Jeux. Le fait que les Jeux soient populaires, c'est eux qui vont le faire. Parce qu'il faut que chaque Français, Française s'identifie à travers la discipline, à travers l'exploit, à travers la fête qui va se faire, à travers tout ça. C'est à eux d'allumer les étoiles dans les yeux de nos gamins. Je suis persuadé qu'on va réussir à le faire. Moi, j'ai énormément de confiance en nos athlètes français. Je pense qu'ils sont préparés, qu'ils vont être là, qu'ils vont être présents et qu'ils vont nous faire effectivement 30 jours de fête entre les Olympiques et les Paralympiques. Et ainsi de suite, que ça va être un moment de communion solennelle entre le sportif et la nation. Et ça, à mon avis, j'avais une formule qui disait « j'aime bien le sport qui fait village, j'aime bien le sport qui fait nation », parce que c'est exactement ça. Chaque athlète, il dépend d'un club. Il a vu le jour dans un club avec des bénévoles autour de lui, avec sa famille, avec sa petite amie, avec ses copains, du samedi, du dimanche. Et puis après, il est parti. Il est parti dans une structure de haut niveau. Il s'est formé, il a été rencontré. Il a traversé le monde de long en large pour s'acculturer, pour se mettre au niveau des meilleurs mondiaux et aller gagner, ce qu'on appelle nous le Graal olympique. Et j'ai confiance en ça. Et c'est ça qui nous intéresse, donc. C'est de créer effectivement cet engouement et ainsi de suite, parce que derrière, on aura peut-être les fruits de nouveaux licenciés dans les clubs, de jeunes qui vont découvrir des nouvelles disciplines sportives. Voilà, aujourd'hui, on tourne sur 4 ou 5 disciplines sportives avec un nombre de licenciés extrêmement fort. Et il y a plein de disciplines en souffrance qui sont des sports magnifiques, mais qui ont beaucoup moins de monde.